shouldn't have come here. Fastbill, Trauma, arme principale de type fusil lourd auto-massif. Quand tu vois la gueule du truc, t'as tout de suite compris. Obtention, rendez-vous auprès du père d'un Nécralisque pour lui acheter le schéma et les différentes parties à crafter pour la somme de 12500 points de réputation en Trati. Stat, rang de maîtrise 13 mini, dégâts de base de type physique et élémentaire avec 29 de dégâts d'impact et 53 de dégâts de feu. Ouais, ça manque un peu de versatilité là. Crit, 24%, multiplicateur 2,2. Pas mal tout ça. Cadence de tir, 4,67, chargeur 200, recharge 5 secondes. Quoi 5 secondes? Oh non, putain, retour du sobek. Chance de statut, 30%. Ouais, mais 5 secondes de recharge quoi. Chaque projectile fera une petite zone de dégâts autour du point d'impact pour 50 de dégâts de feu. Ah, c'est toujours ça de prix. Type de gâchette, automatique. L'arme possède un tir alternatif utilisable après 5 kills avec des dégâts de base de type physique avec 100 dégâts d'impact. C'est tout. Crit, 38%, multiplicateur 2,4, de mieux en mieux à ce niveau. Cadence de tir, 1,33, chargeur, 200, temps de recharge, toujours 5 secondes, ouais mais non les mecs. Chance de statut, 50%. What? Comme pour le tir principal, les projectiles feront des dégâts de zone pour 1000 de dégâts de feu, c'est bon ça. Type de gâchette, semi-auto. Build, 4 formats, dentelure et gros calibre, dégâts, chambre divisée pour du tir multiple, frappe tendue et perception vitale pour du crit et du dégât des crits, force maligne et cartouche givrée pour du viral, munitions du chasseur pour du proc saignement sur les critiques. Avantage, critique et statut très élevé pour être utilisé en HL, dégâts de type feu inné, juste parfait pour retirer de l'armure sans avoir besoin d'utiliser du corrosif, tir alternatif vraiment très puissant. Désavantage, le rechargement, merde le rechargement les gars. Après avoir utilisé le tir secondaire, l'arme ne peut plus tirer pendant une très courte période. On sait pas trop pourquoi, mais c'est vraiment chiant à ce niveau. Info supplémentaire, le tir alternatif peut être utilisé seulement une fois tous les 5 kills. Pensez à utiliser au moins un mode synthétique pour votre compagnon, ce qui vous permettra de recharger l'arme passivement. Si vous voulez investir plus de format sur l'arme, pensez à utiliser le mode Exilus stabilisateur pour améliorer le peu de précision perdue avec gros calibre. Fin de la vidéo, comme toujours, commente, like et partage pour me soutenir. Passe faire un tour sur ma chaîne Twitch pour assister à mes différents lives et me voir faire quelques conneries. Pour me suivre, les liens Facebook, Twitter et Discord sont dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye.